مرحبا بكم في الديريكت نتاع اليوم على البلاتفورم المنصه نتاع تقي اكاديمي uh, اليوم الحصه باش نخصوها للتلامذه نتاع البكالوريا سيكسيون ايكونومي جيستيون اي دونك الحصه دونك لو تيم لا سيونس اليوم باش تخص الماده نتاع الاقتصاد نتاع الاكونومي فوالا الوغ Felhassam Talium, juste le thème interne, on va commencer par faire une petite révision à le choix du, du producteur, le choix psychologique, le choix économique, ou le choix euh, social et euh, écologique, yani le choix citoyen. l'objectif de la hésentère interne, elle est, de brommaté dans cette séance, je trouve ce thème, elle est là, je vais commencer en direct

une promotion, euh, vous pouvez profiter de l'offre de fait de Hachay. Donc, vous pouvez, même si vous pas pour m'inscrire non, pas du tout. Vous inscription avec vous profitez de la promotion. comme remise de 10%. Ou vous pouvez les séances de les matières

dans quelques minutes, Nati code. de Academy. Vous profitez de la remise de 10%. B. Alors, euh, Le thème interne est euh, le choix du producteur. Et donc, on va euh, corriger. On va faire euh, profiter de euh, deux exercices. RSE ou le choix économique. قبل ما نبدا سيونس باش نحل كلكو ميكرو أه باش نجم نتاكد ساعه ماذا بين نسمعكم باش نتاكد اللي الصوت نتاعي يوصل كونفينابلمون واللي البارتاج يتعمل كيف كيف كونفينابلمون اسكو تشوفوا في البارتاج حتى لو كان ما تحبوش تجيبوا بالميكرو ولا بوزافي زافي ان بروبليم تكنيك نجم تكتب لي في الديسكوسيون وتجاوبني ديريكتومون وانا نجاوب وي <متصفيق> <متصفيق> مدام واضح كل شيء نسمعوا فيك اي بي تري بيان تري بيان بي, بي.

gagner le maximum de points lors l'examen alors On va essayer de répondre à toutes question. questions. On va commencer par l'exercice, par la question numéro 1. La RSE, elle repose sur trois piliers. La réponse est la Croissance économique, libre-échange et développement durable. Elle la égalité, progrès et bien-être. Euh, C'est capital humain, capit capital matériel et capital financier et le D social, économique et environnemental. Alors, l'objectif interne, c'est trop simple de donner la bonne réponse, mais ce qui est un petit peu plus complexe, il y a trop lié à On a choisi cette bonne réponse, cette réponse-là. C'est ça la pertinence de la QCM. Il y a trop tard, mais la réponse est trop tard, ou bien je me suis dit, il y a trop tard, mais l'échec est trop tard, ou bien je me suis dit, il y a trop tard, mais l'échec

c'est pas grave et n'attend pas comme aller j'ralta alors hein je me dis au sur l'hôtel yez vous que tu as lef anti la résolution en fait la RSE c'est quoi par définition de quoi il s'agit c'est quoi cette démarche RSE qui est adoptée par les producteurs je te dis je capable de job à la salle B, le RSE, je crois, que elle caractérise un comportement, plutôt, elle se traduit par le comportement citoyen du producteur. c'est un ensemble de pratiques. Elle euh, une entreprise, elle qui est consciente que chaque décision interroha au niveau économique chaque décision de Tahratah pour elle maximise son profit, elle directement ou elle indirectement un impact aussi bien social que écologique ou environnemental. Yanni, la RSE, elle tient compte des intérêts commerciaux et économiques de l'entreprise. l'entreprise elle garantit il y a eu dans le temps. elle doit garantir sa pérennité dans le temps. ou elle au elle doit être économiquement viable. économiquement viable. ça veut dire qu'elle pérenne, qu'elle va durer. l'activité interne, elle va durer dans le temps, sur une très longue période. Mais en plus, il y a des intérêts sociaux et écologiques. Donc, les trois piliers sont l'économique, le social et l'environnemental. Les piliers sont les trois piliers. La croissance économique, c'est le pilier économique. Le libre-échange, c'est le pilier économique. Et le développement durable, il tient compte euh, essentiellement de l'aspect écologique. Donc, la manicheux pas. Je le B. Égalité, progrès et bien-être. Égalité, c'est l'aspect social. Le progrès et le bien-être humain, c'est l'aspect social aussi. Donc, vais Le les deux autres piliers. Et c'est capital humain donc c'est l'aspect social, matériel et financier, c'est l'aspect matériel, c'est-à-dire l'ensemble des équipements et tous les moyens nécessaires pour soient ait un rendement, une rentabilité. Donc, il y économique l'économique et le social. c'est la bonne réponse, c'est le social, l'économique et l'environnemental. Tawa a la réponse d'est on va ena a titre de justification chou wa hasb raykom yezwini nkteb ana houni allez c'est hein il a petite difficulté redobelkom rahou f'l QCM اذا كان vous avez coché une mauvaise réponse حتى لو la justification btakom sahiha malheureusement la note sera nulle vous serez pénalisé complètement la réponse euh, si la réponse elle est juste, elle est pertinente, OK, mais il tic la totalité de la note, bien sûr, il faut justifier. Et généralement, cocher la bonne réponse, tirer le minimum de points, mais la justification est éligible que note. Donc, ils aiment comme ta qui fait, vous rédigez bien la justification. question allez Allez-y, je connais deux propositions

alors je remarque les femmes, fait la discussion femme je connais. est-ce que c'est le nouveau régime ou l'ancien régime c'est le nouveau régime donc vous euh, taguer ou elle vous euh, vous partagez fait euh, les groupes donc, le nouveau régime alors tout simplement la réponse la justification consiste à euh, tout simplement rédiger la définition de la RSE. tu as fait définition, on va faire ressortir, on va marquer les trois piliers de la euh, démarche RSE. Donc, je suis en colo, on va rédiger cette définition. La RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. la responsabilité sociale

euh, adoptée par une entreprise voilà un producteur ou à voilà, mise en place par une entreprise par une entreprise euh, qui consiste à qui consiste à intégrer ou à voilà, elle la introduire à intégrer de manière volontaire volontairement je m'arrête à volontairement c'est une décision indépendante de l'entreprise. Elle choisit de manière volontaire, mais elle a fait des elle pour faire cette démarche RSE. Donc, c'est une action volontaire qui consiste à intégrer volontairement dans sa stratégie managériale. managériale. Euh, managériale dans le sens euh, la gestion courante de l'entreprise. Toutes les décisions qui font euh, progresser, faire progresser euh, toutes les décisions courantes ou quotidiennes qui font progresser l'entreprise vers un objectif de rentabilité, bien sûr. Donc, dans sa stratégie managériale, n'allez rien faire comme des managers, exactement. Bravo, Sarah, pour la réponse. Intégrer volontairement des preuves dans sa stratégie managériale. Euh, des préoccupations. je me trouve par rapport des intérêts des préoccupations sociales et écologiques et écologiques euh, à ces intérêts ou à voilà, ces activités commerciales à ces activités commercial. très bien voilà je me trouve ces activités économiques mais des économique tiens très bien et dans ces relations voilà ces interactions dans ces interactions avec les parties prenantes voilà avec ces parties Prenante. Alors, cette définition, elle est très importante à retenir, thème 3, comme le chapitre 2, il y a un développement durable, comme rappel la démarche RSE, un rappel comportement citoyen du consommateur. Alors, le le comportement citoyen du consommateur, ils essayent de répondre aux enjeux du développement durable, et ils ont définition. Fait trimestre de Charles. Euh, donc, Femme Ktebli Edem. RSE, elle regroupe les pratiques par les entreprises dans le but d'être économiquement viable, viable, d'avoir un impact positif sur la société et de respecter l'environnement. Bravo, Aide. Alors, c'est une très très bonne euh, définition de la RSE. Mais on passe à la question numéro 2. N'hésitez pas à partager, à euh, partagez essentiellement sur tous les groupes, n'allez comme les groupes WhatsApp, c'est ne pas des nouveaux régimes. Donc, pourquoi pas, vous, faire, vous faites profiter les camarades de Alors, je vais vous noter le code. Euh, mais cette marque les c'est pas grave genre de toute manière ça va prendre une séance maximum on fait le classe euh, puis je le RSE ou le thème suivant donc je vous préviens comme le code promo litnajmou vous pouvez l'utiliser pour profiter de la remise voilà de la promotion de 10%. alors il s'agit en fait je te nom, la prof Sahar Bouthour, point séparé par un point Texte le chiffre 10 le numéro 10 d'accord Et non c'est le code promo il n'a jamais une promo de de 10% une remise de de 10% portez sur plateforme de Taki Academy est-ce qu'il y a des questions réagissez par à n'importe quelle question vous pouvez profiter de la séance elle est gratuite et donc vous pouvez euh, Poser toutes les questions liées à Juste là, je vous quelques micros. Voilà. Très bien. bien. Allez, on passe à la question numéro 2. Euh, quelle est l'action qui a un impact écologique? On en a à RSE qui a plusieurs types d'exemples de pratiques. Il y a le comportement avec que ce soit un tel consommateur ou un tel producteur. Il s'agit d'un comportement, d'un choix social ou un choix écologique. Donc, un petit, un petit question de, analyse des actions ou de pratiques mal en entreprise et vous allez repérer un lien de l'impact écologique. Est-ce que respecter les droits de l'homme, c'est un impact écologique? Exactement, Ed. Donc, respecter les droits de l'homme, c'est un choix citoyen, OK, mais marindouche l'aspect social, ah, plutôt ça, l'aspect écologique. Il répond à l'aspect, voilà, il s'insère dans la dimension sociale de la RSE. Donc, Marindouche, impact écologique participer dans des activités solidaires et des associations caritatives pour la cause des personnes à mobilité réduite est-ce que c'est social ou écologique la juste vous marquez Hataki ki est-ce que écologique ou la social très bien c'est le social donc et c'est organiser une journée nationale sans voiture social ou la écologique vrai Très bien. Le respect d'une éthique des affaires. L'éthique des affaires. Est-ce que c'est le social ou la écologique? Réponse. Social ou la écologique? Alors, c'est l'éthique. L'éthique, c'est un, un ensemble de, de valeurs de la morale et on peut aller à toutes les activités commerciales. Par exemple, mon normal, je suis une activité il y a le flouc déranger, trafic, trafic, peu importe le trafic, hein, trafic de, 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 de drogue, blanchiment d'argent, trafic as la contrebande, t'as Al de toute manière, donc par exemple, mon normal, je suis l'activité il y a les ressources financières déranger, mon source illicite, il y illégale Ça, c'est une إيتيك إيتيك كوميرسيال زيدا كيف كيف مثلا اه, ما نتعاملش مع فورنيسور يعمل في الكونتربونت ما نتعاملش مع ديستريبيتور اه, يعمل في الكوروبسيون يعمل في الفساد يعطي في ما نتعاملش مع واحد من من لي بارتي برون انفا من لي بارتنير كوميرسيو متاعي اللي عنده يستعمل شيكات ما يخلصش العباد اه, بلغتنا احنا معناتها Y, y, euh, qui fait chacun euh, entre guillemets ma le mais ça c'est tout les pratiques pratique le c'est un ensemble de d'éthique commerciale et les ennemis et tabac mais quoi que ces activités madame j'ai un impact écologique donc la réponse c'est la réponse C très bien b alors réponse c allez-y il faut justifier إلفو إيستيفي، هاي، إيسا لابتيت ديفيكولتي، حسب رايكم هنا في إجابة، شنو <hesitation> شنو يحب من عندك تكتب؟ شنو يحبك تكتب <hesitation> الكوغيكتور؟ اللي باش يقرا لك الورقة متاعك في الباك، شنو الهدف متاعو؟ إسكو الهدف متاعو تحكي تحكيلو على الكراهب كيفاش ماناش باش نستعملو الكراهب؟ يلزمك تفسرلو شنو هو الأبجيكتيف متاعك وقت اللي أنت ما تحبش تستعمل الكراهبة. L'objectif de cette action, c'est un choix écologique, mais elle répond à quel objectif Elle répond à quel critère C'est ça, elle je vais qui... lire une note. Allez-y, sur quel critère on a basé cette, cette action Très bien. C'est comme ça. Très bien. Bravo. Exactement, exactement. Donc, c'est pour minimiser ou pour limiter l'émission de CO2. Léo, c'est un gaz à effet de serre. ou l'impact, Mteo c'est l'augmentation de la température sur la surface de la Terre. c'est le réchauffement de la, de la planète. le réchauffement planétaire. a les conséquences. les conséquences de réchauffement climatique. Des règlements, des saisons, sécheresse, euh, des des euh, des tempêtes qui mettent en métalline Canada, des tempêtes de neige, et les membres je etc., etc. Bref, exactement. Donc on va tant rédiger la réponse interne. Alors, neige mon couloir. J'ai préparé bien sûr ma réponse, mais mes abeilles la réponse interne. Alors, parmi les priorités environnemental environnemental de l'entreprise. Se trouve... Qu'est-ce qu'on trouve Se trouve la réduction du gaz, réduction, voilà, de l'émission plutôt, voilà, de l'émission du gaz à effet de serre très bien et de d'utiliser aussi et euh, utiliser l'utilisation plutôt l'utilisation de manière efficace qu'est ce qu'on va utiliser de manière efficace qu'est ce qu'on va utiliser de manière plus efficace ou elle est de manière plus durable les ressources naturelles bravo les ressources naturelles donc c'est l'objectif le, le, le choix l'un des objectifs du choix écologique d'une une entreprise mais donc, on va donc euh, t -t le choix euh, plutôt le critère global qui fait, cette action permet d'atteindre cet, cet objectif global. Donc, limiter l'usage de la voiture ou voilà, des voitures, c'est un comportement généralisé, est une action qui permet d'atteindre ses objectifs. Qui permettent d'atteindre ces objectifs et de réduire l'impact écologique des moyens de transport. Tout simplement. D'accord Donc, il y a une mortalité de Géoboral RSE.

est-ce que être en meilleure santé est plus productif? Est-ce que développer une meilleure image, offrir des produits de meilleure qualité, réduire les risques? Alors, Enaï est parmi les réponses qui concernent le travailleur. Très bien, Edem. Très bien, c'est la réponse à... C'est la réponse à... Toutes les autres phrases mais les trois propositions, il l'entreprise, mais ils le, le le travailleur en lui-même de manière directe. Donc, la seule réponse qui concerne le, le, le travailleur, l'employé, c'est la réponse A. Pardon, c'est la réponse A. Alors, « et wa qui fait. el a ?»« 0,25, akahaw ?»« Et beyr, 0,75, nimshin كلش نجيبهم ترا علي شكون يعطينا لا ريبونس ترا سهلة راهي شي ما فيها كيف كيف حط روحك في بقعة الكوريكتور وقت اللي يعطيك ريبونس كيف نحكيها شنو وين يحب يوصلك ولا معتها شنو يحب يخلي اللي يلقاها عندك كوم ريبونس اليمون دي ريبونس باش ينجم يعطيك النوت ترا حسب رايكم هذا سي

de l'activité, très bien. Mais en même temps, je termine un ensemble d'actions. Sahid, Sahid, Madame Zid, il faut creuser encore plus, Madame. Je termine un ensemble d'actions envers l'environnement et les parties prenantes et les délinquants. D'accord? Parmi les parties prenantes, les delayne bahia, partie prenante concernée par les actions d'une entreprise qui pratique la RSE, c'est le personnel, voilà, l'effectif salarié qui dans l'entreprise. Exactement. Donc c'est les travailleurs. Donc qu'est-ce qu'elle va adopter cette entreprise euh, qui veut faire un choix social envers les travailleurs, pour les conditions de travail, les conditions de vie aussi bien au niveau professionnel, il y a les d'entreprise que au niveau de leur vie privée, avec leur famille, voilà, l'environnement qu'ils vivent à titre privé. Donc, je ne ensemble de pratiques, un ensemble d'orientations intermèdes en entreprise, mais je veux le travailleur il fi euh, un environnement sain, un environnement agréable, un environnement il y a un, un, un climat de confiance mais bien l'entreprise ou bien travailleur et donc je te le un travailleur plutôt euh, tous l'objectif t'a un travailleur en bonne santé et donc plus productif à la khater il est, euh, il est euh, disons, il travaille dans un cadre qui lui convient et dans des conditions de travail convenables et favorables. Donc, Ah oui, il faut bien rédiger les réponses. D'accord. B. Alors, j'ai rédigé ma réponse. Toutefois, j'aurais aimé, comme tu me échange pour construire ensemble les réponses.

adopte la RSE bien sûr la RSE elle est soucieuse du bien-être du bien-être de ses salariés alors quand le salarié ses travailleurs son effectif son personnel et il vous utilisez le vocabulaire qui elle va euh, elle va veiller à une certaine amélioration, bien sûr, des conditions de travail. Euh, elle va faire respecter respecter les normes de sécurité euh, au travail et d'hygiène hedouma les deux exemples il fallait les noter yezmak tiktebhom allez chater oxer enti la réponse qui plutôt la la jomla li عندك في le QCM être alors ara yahouni être en meilleure santé et être plus productif être en meilleure santé kifesh yezni ana waqt li مثلا un travailler re dans fi conditions euh صعب je lui garantis sa sécurité مثلا je dois leur garantir la sécurité. Je dois leur garantir le minimum des conditions d'hygiène. en meilleure santé. Donc, il fallait... Pour qu'ils aient la justification ta question question, il fallait... Citer cette pratique, cet exemple de pratique, il est dans l'entreprise. Mais je il est rare finalement, on va veiller à ce que le travailleur soit en bonne santé, bien sûr, mais il y des situations dangereuses. Je me suis dit que je suis un travailleur qui manipule des produits chimiques. Donc, il faut les équipements nécessaires, le matériel adéquat Donc, tu dois noter quelques exemples. Je réponse pertinente la justification. Qu'est-ce que vous améliorer les conditions de travail? Dans un cadre agréable, dans de bonnes conditions, je trouve plus productif et plus motivé pour le, pour le travail. Donc, il est essentiel au minimum de citer ces deux exemples. Pour faire varier un petit peu la réponse, euh, créer un climat de dialogue un climat de dialogue bien sûr mais l'entrepreneur ou le, le, le travailleur juste là d'abord qu'est-ce pas une réponse aucune discrimination sociale ou genre contribue à la stabilité de l'emploi très bien respecter l'humain en garantissant de bonnes conditions de travail Et à il y a ça, 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 ça bien oui tout est favori, tout est bien noté bien écrit pour la justification très bien assurer leur formation Continue leur formation, continue de manière continue. Hein. Euh, participer aux décisions de l'entreprise, voilà, aux décisions stratégiques de l'entreprise, etc. Je me trotte toutes les pratiques pour la réponse. Tout ceci. Contribue à préserver la santé des travailleurs, des travailleurs, voilà, dans la page, des travailleurs, et ceci contribue à préserver la santé des travailleurs et les motiver. Ce qui améliore leur productivité. Leur productivité. Très bien. Voilà. Très bien. Maintenant je le partage. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Beaucoup à le partage. Voilà. B. Allez, la dernière phrase. La dernière proposition. Quelle est l'action qui a un impact économique, Mara Alors, inciter à la mobilité douce, améliorer, euh, amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'entreprise, promouvoir la diversité dans les équipes, fabrication des produits non toxiques et biodégradables, et d'être économiquement et Bravo, Mara, bravo.

Développer meilleure image, offrir de produits. Je... Hey, mais ça, là, je vois pas. Oui, les personnes handicapées voilà, à mobilité réduite, oui, L'essentiel est pour... ah, non, ça concerne le travailleur de manière exclusive. Il y a un exclusive. Il y a le travailleur à Est-ce que tu ah, ça... est-ce qu'on parmi les pratiques respecter le droit des travailleurs handicapés Tu veux dire, c'est ça Très bien. Eh bien sûr. Et le ça concerne le travailleur avec Donc tu peux tout imaginer pour En cohérence avec la, la question qui est posée. B. Quelle est l'action qui a un impact économique? Elle cole comme retard. la réponse. B. Très bien. C'est le... Réponse. Très bien. Donc, allez, je la réponse B. Alors, tout simplement, il euh, faut, disons, l'avantage de RSE c'est améliorer la rentabilité de l'entreprise, voilà, améliorer sa, comp sa compétitivité de manière est ce qu'elle garantit sa durabilité dans le temps. D'accord Et donc, ça, c'est un impact économique ama à l'entreprise elle-même. y hein? d'autres impacts économiques, l'entreprise, barca un impact économique, juste entre parenthèses à la collectivité, à l'environnement, à l'entreprise. Euh, ma des fournisseurs locaux, elle des distributeurs locaux, euh, de elle les jeunes de sa région, euh, elle participe à des activités caritatives, des actions caritatives de sa région, ou elle a développement économique et social de sa région. Donc ça, c'est un développement économique, mais moi, je fais sur l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Et hne... L'amélioration de la productivité et de la compétitivité, ça concerne seulement la partie interne de l'entreprise. Et donc, je vais parler de le climat pour justifier. Alors, une entreprise, plutôt, une entreprise, voilà, une entreprise, je une entreprise citoyenne, c'est presque la même chose. Hein est une organisation, organisation qui a euh, simultanément, de manière simultanée, simultanément, des finalités, mmh. des finalités économiques, ah, économiques. Social et écologique. J'essaie un petit peu de varier euh, l'expression de ta entreprise citoyenne. Je suis de le maximum. Très bien. Donc, elle doit euh, mettre en place mettre en place un ensemble de pratiques. Ben juste une page, voilà, un ensemble de pratiques dans le but d'être, voilà, exactement ça là, d'être économiquement viable. C'est le viable de Maintenant, tu dis, tu as dit il fait thème 3, développement durable. Je dis, tu te fais acte à travers. L'amélioration de la productivité de ces facteurs de production, de ces facteurs de production, et une meilleure, une meilleure compétitivité. Est-ce que tu as fouchement ma ta compétitivité ou à ta compétitivité? Ce qui lui permet de se maintenir et de rester, de se maintenir sur le marché sur le long terme. Voilà. Alors, la compétitivité, être compétitif, c'est faire mieux que les concurrents de C'est faire mieux. De manière à ce que, et comme entreprise, je maintiens ma position sur le marché ou alors je gagne acteur des parts de marché. de manière, je me stabilise et je garantis euh, ma pérennité, il y a dans l'activité MTI, elle dure dans le temps. Et pourquoi pas augmenter des, mes parts de marché Qui fait, je vais augmenter mes parts de marché en faisant mieux que les concurrents de taille. En faisant mieux, il n'y a ni ni les parts de marché. Je n'ai que les parts de marché. les concurrents de Mais je pas C'est ça, être compétitif. Mais, alors. Euh, on va passer à l'exercice qui concerne le choix économique du, du producteur. Euh, on va faire un petit rappel. Hein. Ça c'est un rappel. Vous le titre de révision. le deuxième. thème 2 Ou le révision t'es vous avez le trimestre 2. thème 3 Ou le révision mais Alors juste un petit rappel. N'hésitez pas à faire le maximum de partage. vos comme. Euh, très bien Hani Choufi quelques réponses dans dans direct nta'a Facebook bravo El bravo la bidi El bravo B. Donc, n'hésitez pas à partager. Je vais renoter encore une fois, encore une fois le code. Et les B Howard Najmo Destamlo pour profiter de la remise de 10%. Besh Najmo tchel komarana full plateforme. Là, on m'a fait comme Vous pouvez commencer la révision. Menta wa. un tout un groupe de profs, ou d'enseignants. Najmo yaoulou comme tout le monde du cursus. Haya hata echa la hata l'époque de révision. Besh najmo euh, dans des conditions convenables, et vous vous, vous préparez très très bien l'examen final et l'istanfique. Donc rappelez le code. Alors vous notez Sahar. Point. Bouthour. Vous Tout simplement. Voilà. Mais euh, on passe à l'exercice numéro 2. Voilà. Très bien. Alors, le choix économique du producteur. Anne, l'exercice c'est-à-dire l'entreprise Ciseaux Elle est spécialisée dans la fabrication de tissus. Euh, elle varie, la production de TH, elle varie en fonction du nombre d'unités de travail et de capital employé, bien sûr, et selon la fonction de production Eliane. Euh, alors, je vais noter la fonction. Elle n'est pas euh, notée, elle n'est pas écrite de manière classique. Anne, Q égale 10

Euh, de jouer pour enfants, en fait, c'est pas de jouer pour enfants, de tissu Voilà. K, c'est la quantité de capital utilisée. L, c'est le nombre d'heures travaillées. Donc, un L, l'unité, c'est le nombre d'heures. Les prix des facteurs travail et capital sont respectivement W égale 20 euros et R égale 30 euros. Donc, juste dans le domaine, là, euh, l'unité monétaire, c'est 11 euros. Donc, netbook toutes les informations. W, c'est le revenu horaire, le salaire horaire, c'est 20 euros. R 30 euros. B l'entreprise, elle dispose d'un budget de 900 euros et le prix de vente du, du jouet, ce c'est pas du jouet du tissu. Du maître par du tissu est de 10 euros. Donc, comme le netbook, le coût total, budget, c'est le coût total, égale 900 euros. Ou le prix de vente unitaire est égal à euh, 10, 10 euros. Alors, la question est Déterminer la combinaison optimale des facteurs de production L et K permettant à l'entreprise d'atteindre son équilibre, déduiser la quantité maximale, que cette entreprise peut produire. B. Globalement, je quel sera le profit de l'entreprise, d'accord. Exprimer l'équation de l'isoquant pour la quantité de production maximale obtenue. Représenter graphiquement l'équilibre de cette entreprise et repérer la combinaison optimale après avoir complété le tableau suivant. Très bien. Cinquièmement déterminer la fonction de demande du travail et de capital de cette entreprise et représenter la graphiquement. Bah, Deux ans plus tard, la Banque centrale a décidé d'augmenter le taux directeur, ce qui se traduit par la hausse du coût unitaire du capital, donc apparemment a une variation du prix du capital. On va rédiger un paragraphe, l'impact de ce changement. Septième question. L'entreprise se trouve en situation de crise financière et elle décide de licencier dix de ses travailleurs. Il s'agit alors de déterminer le nouvel équilibre, puis calculer le nouveau montant du profit. B. Donc, je vous fais une à partir de, 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 de ces, de, de ces huit questions. Forma une certaine, euh, euh, un ordre de questions. Et on a Alors, la question numéro un. On va déterminer la combinaison optimale. Je vais insister à ce que vous soyez attentif sur la démarche. Vous répondez de manière pertinente au calcul du choix économique. Très bien. B. Alors, par quoi on va commencer Par le programme. Alors, je vais noter petit 1. On va commencer par le programme. Ben, la hadna eli la fonction de production Donc on va essayer de mieux noter cette euh, cette écriture. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Racine cube de 3. Alors, racine cube de K, c'est K puissance un tiers. d'accord. donc c'est, là c'est juste une écriture mathématique. normalement, tomala comme je vous ai fait l'arrêté, il y a eu un qui fait que le les racines et le donc j'aime faire du coup. l'alpha, y a alpha, il y a yanni, il y a andi, normalement alpha. c'est un moins bêta. donc un moins un tiers égal deux tiers. tomali liuert à la fonction de production. je n'écoute pas de manière plus simple. 10 fois 3 puissance 1 tiers, fois L puissance 2 tiers, fois K puissance 1 tiers. Ou tawanebdenerdamena, le programme de maximisation de la production. C'est important, tellement il y a des étapes. Et vraiment, il faut bien...

Yani, et notre un programme de maximisation de la production. Donc le programme de maximisation de la production. next c'est maximiser la fonction D'ailleurs, pas de manière générale obligé à lire, hein? c'est à fois L alpha fois K bêta sous la contrainte du coût total qui doit être égal WL plus R fois K. Donc de manière générale, oui tu vas la déterminer, voilà, déterminer le programme de cette entreprise. Pour cette entreprise, il s'agit de maximiser cette fonction de production qui est égale à A fois L puissance 2 tiers fois K puissance 1 tiers avec A égale 10 fois 3 puissance 1 tiers, je vais A, je vais faire le je vais faire le A, je pour éviter le je vais faire le A. pour éviter le. Je vais faire le calcul de la productivité marginale, je préfère faire le A. Sous la contrainte, du coût total qui est égal à 900, égale. Alors, pour le W, c'est 20. R égale. 30 plus 30 k. Donc la fait le programme de maximisation. Tu de à deux manières générales. On bat le programme qui, qui maata, le programme selon les détails ou voilà, selon les conditions de l'entreprise Ciseaux d'or. Deuxième étape, taushon, examen, Je vais déterminer l'expression du TMST en à dans le brouillon بتاعك ولا حتى في ورقه l'expression du TMST, du travail au capital alors tu la formule générale jamais tu n'oublies voilà c'est égal au rapport des productivités marginales du travail et du capital ce n'est autre aussi tu formule بتاع كل وحده égale la dérivée partielle de la fonction et qu'elle est a fois l 2 tiers fois k un tiers par rapport par rapport à l, au dérivée partielle de la même fonction, L deux tiers fois k un tiers par rapport au facteur capital. Égale, l'ab une petite simplification, égale a fois

3, 1 fois L moins 1 tiers K 1 tiers sur L 2 tiers fois K moins 2 tiers. Tout simplement, bien sûr, L, -L puissance moins 1 tiers Elika Bustah Botelota Bishetnach a le signe négatif.

une petite vérification. En le vérifiant, le il faut a le TMST. Qui met le TMS pour le consommateur. Le TMST c'est alpha sur bêta fois k sur l. Est-ce que le calcul lié en il répond à cette égalité Alors je ne alpha deux tiers. Et le bêta hawa chinawa hawa entière. Donc, bêta m'lota, je vais aller 3 sur 1 fois k sur L. 3, 3 égale 2 k sur L. K sur L. C'est le même résultat. Donc, le tâna la rouhe. Alors, René, route belle, attention, jamais il ne faut pas te faire comme tes actes, mais c'est égal à tes Comment ça il y a, il direct ce résultat. Attention, là, cette démarche, elle est notée. Il y a Vous brûlez, vous vous brûlez les étapes. Au test directement le résultat. Des cas aussi, je m'ouvre, mais mettez-vous toute la note. Comme une démarche, hein, elle est pas à aller à une note. Démarche, il me correcteur, il faut faire falloir comme Donc là, on est bien d'accord, c'est clair jamais texte direct, mais alpha ou bil beta. bêta. le correcteur, le back, mais je la débâche, selon l'exercice ni intégral fils bien, alors, une fois qu'on a déterminé l'expression du TMST, bich naamlu, bich naamlu, la condition d'équilibre. Al alors, la condition d'équilibre interne. Chez la condition d'équilibre et à l'égalité entre le TMST voilà et le rapport des prix et le rapport des prix très bien b alors notre belle formule bien sûr le TMST du travail au capital l'IHOA. Le rapport des productivités marginales, c'est égal... Voilà, exactement. Très bien. Donc, je vais appliquer les résultats 2 fois K sur L égale 20, 20 sur 30. très bien. Alors, je vais le Je 60K égale 20L. Donc, je vais K en fonction de L. K égale... Kadesh voilà, c'est une première égalité, c'est K en fonction de L. Alors, l'étape la plus importante, comment est-ce qu'on peut la faire Tu as besoin d'un contraint. Je fais le besoin d'un contraint. L'équation, tu as besoin d'un

plus le coût total divisé par R, avec l'équation Tagizuku. Donc, je vais déterminer l'équation disoku de cette entreprise. K égale moins 20 sur 30 L, plus 900 divisé par 30. Donc, K égale moins 2 tiers L, et 900 divisé par 30, c'est égal à 30. Donc, 47 égalités, alors, l'étape suivante, on remplace ka en fonction de L par sa valeur dans l'équation d'isoku. Dans l'équation. B. Alors, ça consiste à faire quoi en fait? je suppose qu'il y a une certaine égalité. Donc un tiers l égale moins deux tiers l plus 30. Un tiers l, Donc plus, plus, deux tiers l égale 30. Un tiers plus deux tiers, c'est égal à 1. Voilà. Donc l étoile égale, 30. Étoile égale directement 30. Automatiquement, le K étoile qui fait Chantalaha, c'est puisqu'on a dit l'égalité heavy 30 sur 3 égale 10. égale 10. Très bien. Donc K étoile égale 10. Alors, mesdames, camarades, j'ai question alcool. il déduisait la quantité maximale que cette entreprise elle peut produire. Donc il mis Ta -Q étoile égale 10 fois 3 1,5 fois 30. Puissance deux tiers, fois 30 puissance un tiers. Allez, Kadisha tu Kadisha Kaou, Kadisha Kaou. C'est le hélice, c'est le c'est c'est le c'est le c'est alors, formule direct, L'interprétation de la droite La droite disocou et droite représentent l'ensemble des combinaisons de travail et de capital qui euh, qui, qui représente le même coût total ou voilà, la même dépense. Il tous les points qui sont à droite, ont nafs dépense. Et cette dépense, elle correspond au budget du producteur. Il y a toutes les combinaisons, Nimao à droite Brod, Dizoku. Les dépenses en le col égale à 900 pour cette entreprise. Très bien. Alors, 300, très bien. Q égale 300, comme c'est les tissus, donc je vais mettre 300 mètres. Alors, est-ce que Nerf fournait? Normalement, on passe à la question de ⁇ Hakawale ⁇ Eh bien, non, enfin, ma... une petite phrase, une petite interprétation. Il faut interpréter le résultat et l'interprétation. Interprétation. C'est une phrase standard qui m'amène pour le consommateur. C'est une phrase, elle qu'il faut l'employer, puis quelle étape, qu elle euh, dit que c'est la combinaison optimale, ou à la quantité maximale, elle dit Alors la combinaison. Alors, la combinaison optimale qui permet à l'entreprise, qui permet l'entreprise. Mais à à l'entreprise, à l'entreprise, ciseaux d'or, de maximiser sa production, de maximiser sa production, il y a 300 mètres, 300 mètres, tout en respectant, tout en respectant sa contrainte de coût, il y a 900 euros, consiste, consiste à utiliser 30 unités de travail et 10 unités de capital. cette interprétation a un contexte mais, ça prend pas. Plus que deux minutes. Donc, euh, ne risquez pas de, de faire. Euh, euh, ne risquez pas, ma de rater les 0,25 ou les 0,5 points. Ça dépend de l'exercice. À la kat interprétation, euh, c'est la ma hat. hatchet. Procure à l'entreprise un niveau maximal de production de 300 mètres. Ri kabar kaya Mohamed, b'le Juste, je vais relire l'interprétation, théâtre alors alors نجم نحط ايزوكو و مع بعضهم cest محمد تحط ايزوكو ايزوكو مع بعض cest والله الا فهمتك سامحني كان تنجم تقولي directement <applause> Alors, إدم la combinaison de 30 unités de facteur travail et 10 unités de facteur euh, capital procure à l'entreprise euh, un niveau maximal de production de 300 mètres pour un budget donné et pour des prix pour les prix de facteurs donnés pour un prix donné et pour un budget donné hein là la combinaison je la production OK euh, Mohamed wallah

alors, déterminer voilà, quel sera alors le profit de cette entreprise. Bien sûr, il faut une formule. Le profit, c'est les recettes totales moins le coût total. Alors, les recettes totales, c'est 300 fois le prix de vente unitaire à 10. Moins le coût total égal à 900. Choc à 3000 moins 900 égale 2100 euros. Alors, exprimer l'équation de l'isocan pour la quantité de production maximale obtenue. Alors, eh bien sûr, ni Allez, qu'est-ce qu'on va faire, Tao? Tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Les quantités optimales des facteurs de production. Très bien, direct c'est une très très bonne interprétation Alors, je euh, la fonction de production. Alors, ça consiste en quoi L'équation de l'isocompagne. L'équation de Bon, Allez. Ati euh, L'isocan, je la courbe d'isocan. Allez, 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 monsieur, je suis tout bold, il fait ça, il fait ça, Je connais que tu fais ça, Alors, ça consiste en quoi Ça hite, exactement. C'est par analogie, c'est la courbe d'indifférence pour le consommateur. Il il faut le même te haha. Haha, allez. Donc, Maneceo Chaner, Andy, fais le graphique. Andy, la quantité du facteur travail. On est la quantité du facteur capital. Donc, tous les points et les mojoudines, la courbe disocon. c'est en fait l'ensemble des combinaisons productives de travail et de capital qui permettent de réaliser le même niveau de production pour q. q-bar, c'est une constante. col point est, ça représente une combinaison. Euh, et il y a toujours la même quantité produite. donc, la courbe d'isocan l'équation, l'équation, fonction de production. Il, il suffit du tout simplement d'utiliser cette fonction de production de manière à ce que je fasse ressortir le k en fonction de l. Il y a un k en fonction de l. Allez, je chatelle n, un des graphiques, le des abscisses a l, l, dans l'axe des ordonnées a le capital, donc il y a besoin de je me sais n cette courbe, il y a un dix k en fonction de l. Donc, la fonction de production de ai égale 10 fois 3, 1 tiers, fois L, 2 tiers, fois K, 1 tiers. D'accord Je vais supposer il y en a un de K, c'est une constante, et donc je vais change K en fonction de, de L. René, ma niche shnaktab égale 300 tawa. Je préfère de manière générale avec une constante une quantité qu'à n'importe laquelle quantité on peut juste les quantités des capuchons hôtes fiora la valeur de 300 unités à Donc euh, donc d'essayer à la méthode est d'ailleurs j'ai comme un et vous rater mais je m'en selon les consignes pas les exercices format des exercices m'attaque qu'un texte qu'elle le cuisinateur à dîner ma majorda donc non pas d'un star méthode générale on bat on va juste Changer la valeur de, de K. B, donc je vais faire ressortir K euh, pardon, puissance 1 tiers égale Q, la quantité produite, divisé par 10 fois 3, euh, alors fois 3 puissance 1 tiers fois L puissance. 2 tiers. B. Alors, je veux me débarrasser de l'exposant au <métitôt> <un> niveau 1 tiers. Je suis un chanal, je suis un autre bédé alcool, puissance 3. Colonne n'a au cube. Donc, je dois lire Q puissance 3, je dois lire Z alcool, 10 puissance 3, fois 3, 1 tiers de puissance 3

Très petite bêtise, voilà un oubli d'une valeur, et machine the la And voilà le résultat, puis je vais Et que des élèves, je sais que lecture, le beta. On the des élèves, a un moment, euh, sur W sur R, il R sur W, et donc, machal tout le résultat, tout l'exercice ral. Donc, vous faites très, très attention à l'utilisation des petites valeurs. Et il y a c'est la petite haka, oui, 10 hachoya, il n'a jamais retourné en détail, mais Donc, arf, il reste choléral. Donc, j'ai le On a un tiers puissance 3, ce n'est autre que 1 tiers fois 3, égal 3 sur 3, égal 1. Voilà. Donc, k puissance 1, n'est que k. B, que puissance 3, 10 puissance 3. 3 oui. puis 1 tiers, c'est le que pour K, donc je te le fois 3. Ou oui. L, 2 tiers, donc je te 1 voilà, égale, attends, moi je puissance, c'est un standard. Alors, 2 tiers fois 3, 3 à 3, 3, 3 égale 2, puissance oui. 2, L au carré. Donc, il y a l'équation de l'isoquant. Je vais déterminer l'équation de l'isocon pour Q égale 300. Toi, juste, N égale 300 puissance 3, 10 puissance 3, 3 fois L au carré. Est-ce que l, je peux simplifier encore plus Je simplifie. Très bien. Zit madame. Zit Zid thabet mliha ach Alors égal normalement est le carré bark hna lta me fou qadesh najem nelqa. Alors je vais voir ta forme mais quoi le qasa hiha. Zid rkiz ya Mara. Refait tes calculs s'il te plaît. Refais tes calculs. Non. Refais tes calculs ya Mara, aqsem tawalet valeur li telqitou aqsem tawah. Aqsem à 10 fois 3 puissance 3. Alors, il suffit d'oublier un zéro, je vais donner Très bien. Alors, je vais te donner le courant. Je le résultat. C'est 9000 divisé par L au carré. Donc, je vais te euh, donner l'équation de l'isocan pour Q égale ça d'accord alors j'ai la question numéro 3 hein. est-ce que j'ai bien marqué 3 oui j'ai bien marqué 3 alors top de la question numéro 4 représenter graphiquement l'équilibre de cette entreprise et repérer la combinaison optimale des facteurs de production après avoir complété le tableau suivant. Alors, il faut noter que, il y quand même physique exercice. Oui, il faut que soit l'isocan ou elle Et surtout l'isocan. Rahou, rassurez-vous, j'ai dit, ma vais vous un tableau. D'accord? Donc, je vais les valeurs, je vais vous ça. J'ai dit, équation de l'isocan fait beaucoup de puissance, beaucoup de valeurs, mais je, mais c'est la donc ne vous inquiétez pas vous allez toujours être euh, muni par un tableau de valeurs simplement il y a des vides sur ce tableau donc alors euh... alors je a vous le tableau juste fait ça fait ça fait ça rapidement voilà. Donc courbe d'isocon, change de valeur linéaire, ça radie q égale, q égale uh, oops, pour, la, pour la quantité. nest la quantité? c'est 300, exactement. Donc, elle est ou elle est le facteur capital. Alors, voilà. B. Juste là, la barca. Ok, à Kastarhir, à Kahir. B. Alors, Worteli Q égale 10. Le cas Kadesh. Si, äh, plutôt ça m'a dit, si L égale 10, n'a jamais eu le cas qui fait. Un de K égale 9000 sur 10 au -ka carré. Kadesh, tu as mm, le cas? C'est.

Normalement, oui. la valeur, c'est la quantité optimale du facteur travail. Exactement. C'est la combinaison optimale. 30. Très bien. Par exemple, 40, 5,6 et 50, 3,6. Je vais passer directement

D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai tableau hediya يسمح لي ليا انا de la courbe d'isoco mais etna zeta izemni yassour l'équilibre obligé à باش nsaw la droite d'isoco donc ont nhott les points extrêmes les extrêmes de la droite d'isoco à partir de quoi à partir de l'équation à l'Izoku. donc qu'est-ce que j'ai d'après la question numéro 1 dans l'équation, tu as l'isocô. Et les K égale moins 2 tiers L plus 30. Voilà, plus 30. Donc, je me trompe les, euh, les points extrêmes, mais tu as droit d'isoko. Si L égale 0, la quantité maximale du facteur capital et du Michelin producteur, c'est le coût total divisé par R. Donc, c'est 900 divisé par 30 égale. 30. Donc, Andy, un premier point. 30. vrai. J'ai le point l'oleni, Il est 0, 30. On j'ai aussi l'extrême homme fini. Si K égale 0, donc la quantité maximale du facteur travail, il est 0, 30. Voilà. Et donc, c'est 900 divisé par 20 égale 45. Le point fini, j'ai le point 45, voilà. Donc, vous êtes obligé d'avoir les points, ta graphique, dans le droit ou de je la représentation graphique de l'équilibre. B Alors, j'ai la représentation graphique. Je vais tracer un petit graphique. Je capital 90, donc, euh, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Né, c'est bon. Voilà. La même chose. Né, voilà. c'est la quantité de capital. Né, euh, la quantité du facteur travail. Je vais marquer les points à partir du tableau. Quand Pourquoi pas Alors, les euh, amis, c'est pas grave. Alors, le premier point, un, je vais marquer les points par 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90, c'est le maximum TI. B, le travail, alors je vais, je ne sais pas, je vais choisir. Le maximum TI, je crois que c'est le 50, le travail. Très bien. Donc, je vais diviser par 5. 10, 20, 30, 40 et 50. 40, 40. Alors, je une Mardiche, un axe gradué, peut-être avec un léger décalage, mais ce n'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Mais, allez, le le premier point, c'est 10 pour le travail et 90 capital. Donc, à peu près, c'est par là. Mais, 20 et 22, 20 et 22, ça doit être ici. 30 10 c'est l'harmonie, voilà 45 6 je tarde l'année à peu près choix et 50 c'est... bon enfin, alors je vais essayer de voilà alors né c'est la courbe d'isocan. Tadjabhata tektuka égale 9000 sur L au carré. B. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'isocomté. Alors, le premier point, je vais choisir une autre couleur. Je vais faire en vert. Premier point, 45, 0. Ou le point, donc, retenez 45. C'est 30, 0. B.

E 30 10. Exactement. Donc, Anna, euh, droite 10 au coup. K égal moins 2 tiers L plus 30. Maintenant, le titre. le titre. Le titre, le titre, le titre. L'équilibre. l'équilibre de l'entreprise ciseaux d'or ou à la représentation graphique de l'équilibre euh, ok b alors le doublon fait le calcul la note de la représentation graphique ils les axes les titres travail ou capital لو بون تراساج نتاع لي كورب وباش نجم يكون عندك لو تراساج صحيح لازم تعمل اون بون ايشيل يعني لي شال نتاعك تحيحه اذا كان لي شال نتاعك غالطة راهو الجرافيك باش يجيك غلط ويلزم لو كورب اللي هو طالبهم من عندك يكونوا واضحين وصحاح سولون لي بوين ونواج دو بوين اللي عندك والتيتر نوبليي جامي لو تيتر دو جرافيك فوالا voilà.

Beh, juste un détail, chez Question, je euh, vais euh, représenter graphiquement l'équilibre et repérer la combinaison optimale des facteurs. Donc, né? il faut interpréter l'équilibre graphique, graphiquement. Hein? Donc, je suis en sur le graphique, voilà, selon le graphique. L'équilibre correspond au point de tangence. point de tangence. C'est obligatoirement. C'est un mot clé donc Point de tangence entre l'isocan et l'isocou. Ce qui signifie je à le point de tangence, ce qui signifie euh, le, une combinaison, une combinaison qui bien sûr maximise la production de l'entreprise tout en respectant tout en respectant la contrainte de co. Alors, en ce point, en ce point, la pente de l'isocan est égale, il y a la, la pente de l'isocan, il y a en fait le TMST. La pente de l'isocan est égale à la pente de voilà, tawa j'obna question numéro 4, On va passer tawa à la question 5. Alors, Chantal Benrana, déterminer la fonction de demande du travail et du capital de l'entreprise et représenter, euh, représenter les sur un même graphique, justifier leur allure. B, alors, euh, d'après, tout simplement, nous avons la condition des, les fonctions de demande. Je m'arrête la fonction de demande. Je m'arrête, à ont L, en fonction du revenu du travail, et K, en fonction du revenu de, du capital. Très bien. B, simplement, je t'envoie une démarche. Démarche, il faut aller à la note. Maintenant, il faut que le col l égal alpha fois le coût total sur W ou égal à bêta fois le coût total sur R. Et donc, il faut simplement... Mais il faut que je t'aide directement le résultat avec... Il faut que toi, tu le résultat avec quest que tu fasses la دونك الريزلتا هذا انت في الاخر باش تستعملو كوم مويان دو فيريفيكاسيون تاع خدمتك يندرا ديمارش كيف طبقتها باللي فالور نتاع لونتربريز اسكو يطابقو الكالكول ليغاليتي هذيك ايوا ولا لا دونك ردوا بالكم يعيشكم نو با بونتو ولا زوز على خاطرك جوست ديمارش زايده تحسها ولا ما عندكش وقت ليها نو با دو تو لبارم. راهو طول بغام راهو Toute la note, il y a toute la démarche. B, on va partir de quoi? Alors, on va partir du programme de maximisation. Je pas le programme de maximisation. Je vais vous expliquer. allez -y. Donc, le programme de maximisation de la Production, c'est maximiser la quantité A fois L 2 euh, tiers, fois K puissance un tiers, sous la contrainte de 900 égale 20L plus 30K. En fait, je le programme de maximisation. la fonction de demande. C'est le fait que je vais exprimer. La quantité optimale de travail ou elle a de capital en fonction de son coût, en enfin, fonction du coût de ce facteur. En fait, c'est la quantité optimale. cas c'est la quantité optimale de k. Yarnil, n. Je vais déterminer les fonctions de demande je dois toujours chercher à déterminer la quantité de facteurs travail et de capital qui maximise la production et respecte la contrainte de dépense Eliarandi. Donc, cette quantité demandée, elle varie en fonction du coût de ce facteur. Cette quantité, c'est la quantité optimale. Donc, dit Madame, faut le ressortir je fais la quantité. En fonction de demande, on va commencer la logique. On la recherche de la quantité optimale. Et puis, on va le programme de maximisation. Voilà, donc, si vous voulez que vous ne ratez pas des points, c'est B. donc, le programme de maximisation, je vais vous montrer un peu fait à ce la condition d'équilibre

La fonction, euh, la, la contrainte, l'équation de ta contrainte de coût, ta fonction de coût. B, simplement, à partir de cette égalité, je vais, euh, je vais déterminer deux autres égalités. 2 fois R sur K égale W fois L. Ou Z, R sur K, 1 demi fois W. Tu fais ça, Malta J'ai juste simplement HEDA, ou HEDA, les égalités B, ta oub shemshi en a ta la fonction de demande du travail. Du facteur travail. B, en a ta oub n'yemshintalaha, bishintalaha à partir l'équation WL plus R fois K. Puisque en a ta la fonction de demande ta le facteur travail, yizem je garde ken les WL. Donc RK. Beshana Rawadha, belle valeur mtehahouni on en WL. WL plus 1 demi fois WL égale 3 demi WL. D'accord Donc, chaque différence du coût total égale 3 demi W fois L. Hachita ou bel-L nkharajawahadha, L égale 2 sur 3 fois coût total sur W

coût total égale 3 WL. D'accord Donc 2 sur 3, coût total égale Wn N tawa wahada égale heavy Donc 2 tiers, coût total égale W. D'accord Mais on si vérification, W alpha, il y a 2 tiers.

sur w H la fonction de demande ntaal facteur travail نفس الخدمه باش نمشي نخدم la fonction de demande du facteur capital donc fonction de demande du facteur capital le coût total kiff kiff نعاود نكتبها خاطر هذيك هي le début

Coup total, le résultat Simplement, je dois faire ressortir K. K égale, je vais le coup total, à la 3 sur R. Donc, coup total sur 3 sur R. Tout simplement, nous je la vérification. fais le brouillon, bien sûr, vérifiant K égale bêta fois coup total sur R. Le bêta est un tiers coût total sur R. Est-ce que c'est vrai C'est vrai Je vais vous dire. Donc, juste avant de commencer, pour que la fonction de demande, pour remettre le coût total, K égale 900 sur 3 fois R égale 300 sur R. C'est la fonction de demande du facteur capital. B juste le mot, hum, toutes les questions il s'agit de tracer les courbes en fonction de demande alors juste un air, un voilà. alors représentation graphique des courbes de demande des facteurs B. Alors, euh, la représentation de ta graphique demande de, monde, de ta travail. Alors, Anna, Anna, L égale 900 sur... Non, ça marche. Euh, 600 sur L. Voilà. Sur, sur W, pardon. Sur W. Je Je une représentation graphique. Que tu dois exprimer W en fonction de L. W égale... 600 sur L. D'accord est pour tracer la courbe de demande, on le facteur demande, facteur travail. Tawa, il faut désigner trois points que l'on tracer la courbe Alors, si L égale je vais commencer par L égale 10 W égale, égale 60 si L égale 20 W égale 30. Et si L égale 30, voilà, 40 la donc W égale, Wakta égale la 4. Très bien. Et n'est-ce oui. pas le demande de facteur travail? N'emchita le capital, K égale 300 sur R, R, c'est égal à 300 sur... Donc, si K égale 10, R égale euh, 30. Si K égale 20, R égale euh, 15. Voilà. Et si K égale 40, R égale 7,5. D'accord Et d'ailleurs, il s'agit de la représentation graphique de ces deux courbes.

des facteurs. Il est où شنو W ou R. Alaych 3amelt R égale 300 sur K ou W égale 600 sur L. Al khat ana ki bach la courbe hadouma les deux courbes, dima elli fi de l'axe des ordonnées en fonction de elli l'axe des abscisses. Donc hna nwayem ba3d nktb W en fonction de L ou R en fonction de K. Edik alaych 3abdelna fi l'équation c'est juste pour le traçage des courbes, hein, Quel traçage des courbes? l'étape ben, Je vais graduer en les accents. 10, 20, maximum, 30, 40, 50 et en 60. Ouais, kif, kif, je vais graduer 10, 20, 30 et 40. 10, 20, 30 et 40. Voilà. Bien, je vais commencer par la courbe de demande euh, fonction, la courbe de demande de travail. Alors, Andy, hein, les points TI, il est L égale 10. Euh, w égale 60. Donc, elle est égal 20, toilet 30. Donc, c'est ici. Et euh, 40, 15. Donc, elle heavy courbe. Alors. Voilà. Courbe de demande du facteur travail. ligne Courbe de demande du facteur travail. Je choisis, choisis une autre couleur le, 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 le capital. Alors, si K égale 10, R égale 30. Donc, c'est ici. 20, 15, c'est par là. Et 40, c'est et demi. Ne. Donc, voilà. J'ai né en couleur, la deuxième couleur, courbe de demande du facteur capital. Le titre, tout simplement, courbe de demande des facteurs travail et Capital, tout simplement. Alors, justifier leur allure, tout simplement, c'est une allure décroissante, ou elle est descendante. Toutes choses étant égales par ailleurs, la demande de leur facteur varie et fonction décroissante. Si le prix de ce facteur augmente, la quantité demandée de ce facteur, elle va diminuer. Donc, je suis en L'allure des courbes de demande est descendante et descendante en effet alors en effet euh, la demande du facteur de production de production est décroissante est décroissante par rapport à son prix par rapport à son prix c'est à dire toute chose étant qui malgré toi fait troisième année colle, étant égal par ailleurs si le prix du facteur augmente la quantité demandée de ce facteur diminue. La quantité demandée de ce facteur diminue. Et inversement. Et maintenant, l'axe si le prix diminue, la quantité augmente. Et inversement. Voilà. Donc, euh, voilà, on a, on a, terminé à, à peu près la séance interne. Euh, on n'a pas pu, euh, répondre à toutes les questions. C'est un, c'est un exercice, tu le choix. Donc, mais c'est pas grave. L'essentiel, il y a un petit peu toute la démarche dans le calcul du choix, du choix économique, de la combinaison optimale du producteur. Il y a un petit comme ça, ça s'est très, très bien passé.

صحيت كلش اقتصادي يعني كل ما هو عنده علاقه بالفلوس ها اه معتبر الربح بالفلوس بتيفا عام برودوي نون توكسيكي بيو ديغرادابل تمشي اكثر اذا كاين قالك عندها ان امباكت سوسيال والا ان امباكت فيرامون صحيت وحده فيهم والا زوج كيف كيف خاطر كي تبدا نون توكسيك دونك تراف على سوسيال <applause> et en même temps tu préserves le non toxique معناتها ما produits chimiques donc tu préserves l'écologie l'environnement mm -hmm. naturel et qui faisait des biodégradables tu la santé ou tu l'écologie donc c'est plutôt les deux les deux autres piliers les deux autres piliers de la RSE